Coucou tout le monde, alors aujourd'hui je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo qui sera pour vous faire mon deuxième journal de bord de ma grosse commande. Donc si vous n'avez pas vu mon premier journal de bord, je vous conseille d'aller le voir car comme ça vous comprendrez mieux. Donc je le mettrai sûrement donc en barre d'infos et peut-être sûrement ici, juste là, il y a mon doigt. Voilà, donc pour mon deuxième journal de bord, donc comme je disais, donc là aujourd'hui on est vendredi. Pourquoi je l'ai fait vendredi parce que en fait, normalement, j'aurais dû vous le faire le week-end comme la semaine dernière. Sauf qu'en fait, je pars demain. Je l'ai fait aujourd'hui parce que, voilà. Je vous expliquerai ensuite en fin de vidéo comment va se passer les prochaines vidéos à venir car je pars 3 semaines. Bon, je vais m'éterniser. Je pense que je vous referai une deuxième vidéo où je vous expliquerai tout ça. Pour l'instant, c'est mon journal de bord que je vous fais aujourd'hui. Alors, donc j'ai quand même pas mal avancé. Comparé à la dernière fois. Alors, je vais reculer mon ordi. Donc ici, on a toutes les bases qui sont vernies, qui sont sèches, qui en fait sont prêtes à être montées, quoi. Donc voilà, il y a toutes les bases ici. Donc j'en ai... je vais dire ça, attendez que je compte. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc 6, 12, 4, 24. Donc j'en ai 27 là, ici. Donc des bases vernies et qui sont prêtes à monter. Donc voilà. Alors ensuite on va venir un petit peu par ici. Donc ici ce sont les bases qui sont vernies uniquement sur la partie ici supérieure, juste là. Juste sur cette partie-ci. Hein, qui ne sont pas vernies sur le côté ni en dessous. Donc au niveau de ces bases là, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Donc j'en ai 11. Ensuite donc là j'ai une petite base qui est vernie donc juste sur les deux côtés, qui n'est pas vernie sur les côtés. Et là, j'ai deux bases qui ne sont pas encore vernies. En tout, ça nous fait. Donc là, j'ai dit 27. Là, j'ai dit 27, j'ai dit 11, je crois. Donc ça fait 38, 39, 40, 41. Donc là, pour l'instant, j'en suis à 41 bases. Sachant que j'ai déjà monté 6 cupcakes. Donc voilà, ce qui nous fait 47 pour l'instant. En tout, à peu près. Donc voilà, donc là, j'ai mes 6 cupcakes qui sont déjà montés. Là. Bon, j'ai retourné mes cadres parce qu'il y a des photos personnelles, voilà. Donc là, on peut voir aussi, il y a une base, en fait, j'avais testé pour essayer de faire une base, en fait, avec un moule à cannelet, mais complètement foiré. Enfin, c'est pas du tout le rendu. Donc voilà, enfin, c'était pas moi qui avais demandé, c'était ma cliente, donc j'ai testé pour elle, mais voilà. Donc voilà, donc là, nous avons donc les 6 bases qui sont, les 6 cupcakes. Là, les 27 bases qui sont prêtes. Là, nous en avons 11 qui sont presque finies. Une petite balade de non vernis. Donc ensuite, c'est un peu l'atelier, hein, donc parce que voilà. Donc oh, je vous montre un petit peu plus vu d'ensemble. Donc voilà, donc là, on a les bases. On va passer un petit peu sur la droite. Donc là-bas, on a donc mon vernis et mes microbilles. Ici on a mes deux gros points de fimo. Ici on a les 4 derniers. Enfin non, j'ai d'autres paquets, mais là pour l'instant c'est les 4 du premier paquet qui me reste. Donc de porte-noms. Ici on a tous mes outils que je me sers en ce moment. Là on a mes deux moules, on a mon plan de travail. Donc là, hop, je vous remonte, on revient par ici. Donc là on a quelques petits points de fimo et puis on a tout ce qui concerne donc ma chantilly. Donc voilà pour mon journal de bord. Cette vidéo a été courte, mais voilà, ça a rien que je m'éternise. Ah oui, j'ai oublié de vous montrer. Donc là, à côté, toujours, j'ai tous mes petits réglisses. Ils sont eux tous prêts aussi. Hein. Donc j'en ai 73. Voilà. Donc il a été assez court et rapide, mais je trouve que ça sert à rien de s'éterniser pour parler et rien dire. Voilà, donc je vais sûrement vous refaire une... je vais vous faire juste après une deuxième vidéo où je vous expliquerai comment vont venir les vidéos à venir, quoi. Car je pars en vacances, comme je vous l'ai déjà dit, mais je vous dirai tout ça donc dans la prochaine vidéo. Si vous voulez continuer à me suivre, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. Et vous suivrez plus facilement mes vidéos, à liker la vidéo et à la commenter, donc en dessous, la commenter. Voilà, donc le prochain journal de bord sera sûrement donc... donc là je pars 3 semaines. Au retour, je rentre... je pars 3 semaines. Après j'ai 1 semaine et je reprends le collège. Voilà, et donc du coup je le ferai sûrement le week-end juste avant de reprendre le collège. Je le ferai sûrement vendredi aussi, comme ça j'ai le week-end un peu tranquille, sans fimo, je verrai. Voilà, sûrement quand sera le prochain journal de bord, donc il sera dans
un peu de temps quand même. Voilà les filles, j'espère que cette vidéo vous aura plu, hein. Si vous voulez d'autres vidéos avant que je parte, bah, demandez-moi. Voilà, sinon je les ferai à la rentrée. Bon, voilà, pour ma grosse commande, je suis quand même pas mal dans les temps, on va dire, j'espère. Sachant que là, j'ai encore toute l'après-midi pour filmoter demain matin. Et toute la semaine au retour, donc ça devrait le faire. Enfin, j'espère, en tout cas, il y a plutôt intérêt. Parce qu'après, je reprends les cours et ça va être plus compliqué pour moi de filmoter, hein. Enfin, même si... enfin, je sais pas, vu que je sais pas si on a beaucoup de devoirs, mais... L'année dernière, je sais que j'avais rien comme devoir, je pouvais beaucoup filmoter, mais... Bon, bref, je ne m'éternise pas, je vous fais de très gros bisous et je vous retrouverai bientôt dans une nouvelle vidéo.